Oh, les amis, c'est vous? Oui, c'est Romain. On se connaît? Oui, on se connaît bien. On retourne dans la maison. Oui, la petite maison au fond des bois. Je lui ai donné ce nom hein, parce que c'est sympatoche. Je trouve que c'est bucolique. Ça donne une petite ambiance et un cachet si on pense pas au film. Et du coup, je suis sur mon énigme. Oui, parce que ce jeu, plein de suspense et de frissons, est également plein d'énigmes. Et l'énigme énigmatique du jour, c'est savoir décaler son alphabet de 7 lettres. Comment ça, j'ai spoilé? Bah oui, j'ai assez tourné en rond dans le stream précédent pour l'introduction de ce jeu, qui était assez lamentable, puisqu'il est très 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 dirigiste. Et ça me fait peur, moi, les jeux dirigistes. On n'aime pas trop par chez nous, comme on dit. Donc là, on va se résoudre l'énigme du code. Alors, admettons, j'ai mis le J sur le C, donc je me rappelle que les autres lettres, C, M, H, P, A, O. Ce qui me donnerait, si je lis la route décodage, c'est une théorie. Hein. Ce qui est en face du M, c'est le F. J'avais juste, c'est bien décalé de 7. Ce qui est en face du H, ça devrait être le B. Il est où le H? Non, c'est le A. Ok. Ce qui est en face du P, ferme ta bouche. Ce qui est en face du P, c'est le I. Ce qui est en face du, j'arrive pas à lire, du A. Ce qui est en face du A, c'est le T. Et ce qui est en face du O, c'est le H. Ce qui nous donne fesse. Il y a même un mot à la fin, vous avez vu ça? Fesse. Ok. Donc on va écrire fesse sur fesse en anglais. Sur cet appareil merveilleux que j'ai avec moi. Non, cet appareil merveilleux ici. F. Comment je juge de cette interface, man? Y, passer le puce. Mais je veux pas le passer, j'ai compris. F, c'est bon. A. I. Ça va être loin. T, tu touches pas. Fuck, yeah! Tout simplement. Et maintenant, tu ouvres. Oh là là, quelle lenteur. Une clé antique. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir ouvrir avec? Bah, toutes les portes fermées que j'ai croisées depuis le début, puisque si vous n'avez pas regardé le premier stream, cette maison, c'est des portes fermées en collection, quoi. Prendre, oui, un peu prendre. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Il raconte une histoire, donc c'est le moment de prendre son café. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought. Makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. Light some candles and take a look around. No trace of my father. And I honestly think he would welcome me at the door. He vanished in the day. Without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. Memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me.
c'est exactement ce qu'il vient de dire. Ok. Donc on a des allumettes, on a des bougies à allumer, on a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la main. On ira faire un tour tout à l'heure. Et on est dans la maison, mais à l'autre époque. Avec un portrait de Jean-Michel Jarre. Ok. Donc va falloir que je m'entraîne à allumer un petit peu tout ce qu'il y a à allumer ici. Pour y voir un petit peu. On va éviter d'ouvrir la fenêtre, parce qu'en toute logique, une fenêtre, c'est une bougie qui s'éteint. Et ça, c'est moche. Et là, je n'y vois absolument que dalle. Alors, je sais pas si je vais pas régler ma gamme. Là, je crois voir une forme de lampe qui me serait fort utile. Et ça recharge. Et qui ne sont pas à ma portée. Je suis malheureusitude. Non mais non mais. J'y vois vraiment que dalle, comme Hervé dans la vraie vie. Ah. Ben, on est mieux là. Non, je dirai plus tard. J'imagine que. Qu'est-ce que c'est ça? Non. J'imagine que cette lampe a une longévité qui est assez dramatiquement triste. Donc je vais essayer de pas en abuser. Même si pour le début, je dois vous avouer que vu qu'on y voit que dalle, j'ai fort envie de purée, mais vise un peu dans d'autres os. J'ai fort envie d'en abuser. Y a pas d'autres candles dans le coin? Ça va être chaud chaud pour trouver des clés dans tout ce bordel tout sombre. C'est sacrément le bordel ici.
you doing here? This is private property. Une bonne fenêtre, c'est une fenêtre fermée, sachez-le les amis. Bon, il y a un pote qui tourne autour de la maison. Et c'est dommage parce que j'étais à côté du puits tout à l'heure, on aurait pu avoir une bonne discussion tous les deux. Je vais prendre ce chandelier. Comment ça, vous avez une petite idée de ce que je veux en faire? Ah, comment dirais-je? Il est parti là-bas à droite. Alors, je vais jeter ce chandelier dans le puits, ça porte chance, il paraît. Non, je déconne. Je vais quand même le jeter dans le puits. Bon, bah, au moins, on saura que le puits n'est pas si profond que ça. Hein. Oui, c'était la séquence fou la merde chez les programmeurs. C'est pour ça qu'ils me veulent pas trop sur les bêtas, parce qu'en général, tous les bugs, je les trouve tous. Vous avez vu comme j'ai été sympa? Je me suis retenu de faire le bruitage du grincement du portail. Attendez, je vais le refaire. Oh merde, je peux plus le fermer. C'est parti, 3, 4. Ça vous manquait. Dites pas le contraire, nom de Zeus. Je vous connais. Pourquoi ça s'est refermé? C'est peut-être parce que j'ai pas fait le bruitage comme il faut. Vérifiez le cabanong. Le cabanon peu cher. Il n'y a pas des conneries à découvrir par ici. Des fois, que peu cher. Que d'efforts. Oui, je fais silence pour ne pas vous gâcher l'ambiance. Parce que j'ai pas l'intention d'être tout seul à faire un bond dès qu'il y aura le scare jump. Hein. Squeak. Bah, quand tu veux, man, tu coupes. Oh! Si c'est... Non, ça me sera pas très utile, je crois. Sûr, c'est un très gros indice. Non, putain, mais vise, bordel. Ce marteau, je vais le prendre. J'ai trop envie. Y'a-t-il pas des petites réserves d'essence par là? Non? Bah oui, il faudrait que je fasse mes provisions quand même. Pour pas me retrouver fort dépourvu. Quand l'obscurité sera venue. Ah, joli marteau. J'ai dit que je l'emmenais. Alors je sais pas à quoi ça sert le... C'est une icône de chargement, ça va. Ok. Let's go to the basement, dude. Allons à la cave, mec. Oui, je fais les traductions simultanées. C'est très très important. Alors la cave, j'ai aucune idée d'où elle se trouve. En général, la cave sur les trucs américains, c'est à l'extérieur qu'on y accède. Mais il y a tout le temps un accès à l'intérieur, de toute manière. Soyons logiques. Et laissez-moi deviner. Il va me falloir une...
by talking to you. What? Am I going mad? What in heaven's name is going on? En plus, ils m'ont éteint toutes mes bougies, peu cher. Il est pas très sympa, ce gars, je pense. Bon, moi, il faut que je trouve un passage pour aller à la cave, ce serait idéal. Scratch. S'il y a un problème sur l'interface, parce que ça me déclenche deux trucs en même temps quand je fais les croix directionnelles, ce qui me fait beaucoup plus peur que n'importe quoi d'autre dans ce jeu. Du coup, je sais même pas laquelle c'est qui s'est ouverte. On va dire celle-là, pouf pouf. Ah oui, il y a un problème de l'interface. Ça me semble une évidence. A chaque fois, ça me fait deux actions en même temps, c'est terrible. I don't know what did happen. Je n'ai même pas fait mon scar jump réglementaire, je suis déçu là. Les allumettes, ça m'a l'air d'être relativement vital. On va bien ouvrir hein, s'il y a des invités qui veulent venir. Oh, purée, c'est insupportable. D'où vient ce son? Bah, de cette porte, couillon. Oh, elle m'emmerde cette échelle. J'ai dégagé une porte, mais pas l'autre. Oh, ce qu'elle m'emmerde, cette échelle, c'est incroyable. Je vais la foutre dehors. Voilà. Elle veut pas sortir, mais ça fera comme. Ah oui, c'est le mur invisible encore. Ok. On va y arriver, les gars. Je vais bientôt plus avoir de pétrole dans ma... dans ma damnée lampe. Salut. Je n'ai que des bonnes idées, hein, mon pote. Je voudrais bien, par contre, une recharge pour ma lampe, parce que quand elle va me lâcher, je vais me sentir triste. Mais triste. Je vais incarner à moi seul la tristitude, quoi. C'était le scare jump à 2 euros.
Oui, il y a des promos en ce moment sur le Sketch Jump. Il n'y a rien. Oh, les robes. Ça. Ah, cette interface me gonfle. C'est exactement toi que je cherchais. Là, vous faites pas les malins, là, hein. L'entrée latérale, alors ça c'est une très très mauvaise. Une très très mauvaise traduction, on va dire. Purée de purée de purée de purée. Ah, c'est parti pour la séquence. Dans ma serviette, sortez de la cave, ok. Non, non, je prends ça. Surtout pas jeter, malheureux. Des sécateurs, mais c'est que du bonheur. Donc du coup, faut que je ressorte de la cave, tout bêtement. Il faut que je trouve ma serviette. But I don't know where is my serviette. Pour trouver de quoi faire du lockpicking. Lockpicking, ce qui sera donc une phase de jeu absolument inédite. Oui, je spoil le direct. Une phase de jeu inédite où, en fait, on aura les deux sticks et il y aura les... Ah putain, lui il m'a fait peur. Donc j'étais en train d'expliquer, arrêtez de me perturber quand j'explique un truc, bordel. Donc une phase de jeu absolument inédite qu'on n'a jamais vue dans aucun jeu, où on aura les deux morceaux pour faire du lockpicking, et il faudra avec les joysticks réellement faire le lockpicking, une chose inédite dans le domaine du jeu vidéo. Looks like. J'ai un sécateur, man. Oui, non, mais j'ai des bouteilles. Tu vas pas me la faire, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, ce cheval? Pousse-toi. Moi, je veux juste ce qu'il y avait dessous, là. Voilà. Merci, bonhomme. J'ai des sécateurs, man. Donc, ça veut dire que je peux sécater. Tu vois? Mais quelle foutaise. Alors je sais pas si lui aussi est prévu pour la VR. Ça pourrait expliquer en partie. Mais l'interface est relou là les gars. Bon allez trouver ma serviette, vite. En plus je suis en train de cramer plein de trucs. Alors, pour l'instant, pour être parfaitement honnête, le mec qui fait l'acting de la voix flippe plus que moi, quoi. Moi, c'est pas possible, j'arrive pas à flipper, là. Il est au-dessus, je dois trouver ma serviette. Trouve ta serviette d'abord. Et puis tu t'inquiéteras après de ce qui s'est passé avec le monsieur. Ma serviette, où c'est qu'elle pourrait être? Devant l'entrée? Ça me semble évident. Ce serait une bonne nouvelle. Sinon, je vais aller faire un petit tour au-dessus pour discuter. Ouais. Ce serait une bonne idée aussi. Oui, dong dong. Où est ma serviette, les amis?
Pas de serviette, rien, que dalle, peau de balle. Ah. Non, putain, mais non. Je me rappelle très bien ce qu'elle ouvre. Et donc, c'était un nouvel épisode de Mon Week-end avec Marilyn Manson. Je compte sur vous pour être là pour le prochain épisode pour The Beast Inside. Oui, parce qu'on l'a tout à fait reconnu, hein, Marilyn. Personne n'est dupe. À tout bientôt, les amis.